Au Bénin, les habitants de Cotonou célèbrent la libération de 30 figures de l'opposition arrêtées pendant l'élection de 2021. Tous soulignent le geste du président Patrice Talon à quelques jours de la fête de l'indépendance du pays. Après la rencontre avec Boni Yayi et Nicéphore Soglo, les deux anciens présidents qui avaient exigé la libération des détenus politiques, et avec la visite du président français, on constate que le président Talon a accédé aux doléances en libérant 30 détenus. Les gens sont contents de cet avancement. Pour le parti d'opposition des forces Kori pour un Bénin émergent, c'est un bon début, mais d'autres opposants sont encore derrière les barreaux. Et au parti FCBE, 30, c'est beaucoup, mais ce n'est pas encore tout. Il est encore derrière les barreaux et nous espérons que le chef de l'État qui a entrepris d'œuvrer pour la paix et la justice sera clairvoyante dans ces dossiers et afin que nos frères sortent de derrière les barreaux. Placés sous contrôle judiciaire, les 30 opposants avaient été jugés par la Cour de répression des infractions économiques et terroristes.